sera aussi très populaire. On a des garçons de qualité. On aura certainement un peu plus d'espace là-bas, parce que ça sera à eux de faire le jeu. Et c'est eux qui auront la pression du résultat. Mais de toute façon, quel que soit le résultat de notre premier, on n'aurait pas été là-bas pour se contenter d'un carré du temps nul, etc. On va y aller avec l'ambition de faire le meilleur match possible, d'avoir le meilleur résultat possible. Et puis, comme je disais le cadet hier, on a aimé mettre un petit peu plus sur table. On l'a pas mis, mais on a eu des situations. On aurait les uns et les autres pas la même réflexion. Si la France là-bas est rentrée, si le match en train de là-bas, la situation reste grandissante, un soutien collectif avec les autres, si le match en train de Steph avec les autres. Et ça, c'est du football. Le premier malheureux, c'est les joueurs qui n'ont pas des yeux de but, ils sont très heureux de l'être. Et moi, je suis très solidaire d'eux, malgré qu'ils trouvent ces situations-là, parce que je sais que marquer un but, ce n'est pas facile. Mais surtout dans cette période de reprise, il n'y a pas la possibilité, les efforts par le dur, surtout le temps qu'on se dise. Dans 15 jours, les joueurs auront 15 jours de plus de préparation. Et puis, vous inquiétez pas, ils auront un mental de guerrier pour nous ramener les communications. J'ai fait des réflexions au niveau de vos choix tactiques. Est-ce une option pour vous de mettre Okouchi au milieu de terrain alors que vous le savez mieux que moi, certainement? C'est un joueur à vocation défensive. Et contre l'équipe de Sao Tomé, je suis celui qui vous a beaucoup convaincu. Il a été l'un des meilleurs de ce match-là. Le positionnement en milieu de terrain a été moins brillant selon moi, c'est ce que j'ai vu. Vous l'avez ressorti, vous avez mis encore un autre défenseur en milieu de terrain. Est-ce une option ou un déficit de joueur? Ouais, mais c'est le foot, j'aurais pu rester au sol, il aurait pu rester debout, j'aurais rien dit, donc
c'est comme ça, c'est un fait de jeu, ça s'est passé, le temps c'est fini. Après, il n'y avait aucune mauvaise intention. Je pense qu'on a fait un bon match, il faut plus parler de ça que d'une tête. Le retour, ça va être sans Nana, ça va être en altitude. Oui, ça va être plusieurs équipes vont jouer là-bas, c'est à nous d'aller là-bas. Si on veut du chez nous, on a gagné. On va aller chez eux avec le même état d'esprit, on va aller pour prendre ses points, pour gagner et se qualifier pour ces barrages. J'ai pas vu, c'était dans mon dos. Maintenant, l'arbitre a fait le choix. Il a décidé d'expulser les deux joueurs. C'est fait, c'est fait. Bernard Johnson, vous avez joué l'équipe de l'arbitre pendant 10 minutes. Au vu de la confrontation, selon vous, qu'est-ce qui sera le plus difficile pour cette équipe aujourd'hui? Pour être vrai, je ne pense pas que ça va être vraiment difficile parce qu'on a tous été sur terre, on sait exactement ce qu'on a à faire. On a vraiment envie de se qualifier, donc je pense vraiment que ce match est bienvenu. On a gagné chez nous à domicile, on est en pleine confiance. On va aller là-bas avec toute la confiance nécessaire et on va aller exactement faire la même chose et voir les points. Une deuxième question. La dernière. Oui, la dernière. Tout le peuple humain se doute là par rapport au match de foot qui commence dans deux semaines. La plupart des championnats reprendront. Est-ce que Reda Johnson assure qu'il sera à la place? On va tout faire pour être là, c'est pour ça qu'il y a un staff technique, c'est pour discuter avec les clubs, essayer de faire venir tous les joueurs. Il y a souvent des problèmes par rapport à des joueurs qui n'ont pas quitté leur club comme Manu Mourou ou d'autres joueurs. Donc c'est la difficulté parce que c'est la préparation en ce moment pour chaque joueur dans le club. Moi je vais faire mon nécessaire pour venir, bien sûr, j'ai hâte de jouer ce match car j'ai fait la moitié, je ne peux pas laisser tomber les buts comme ça. Mais par contre c'est pareil pour tout le monde, il y a des joueurs qui étaient en tribune aujourd'hui, d'autres qui étaient sur le banc. On est un groupe. Le coach fait ses choix et on fait tout pour être présent. Merci beaucoup.